ce week-end, hein? Alors soyez sans crainte, car revoici Bruno Blanchet de retour d'une tournée triomphale de pognage de moines en Espagne. Re-bienvenue à la fin du monde, Bruno. Merci, Marc. T'as fait un beau voyage? Un excellent voyage. T'es heureux? Oui. On s'est ennuyé quand même. Moi aussi, je me suis ennuyé. Bon, c'est merveilleux. J'ai pensé à toi, gars, je t'ai ramené un souvenir. Tu m'as rapporté quelque chose. Tadam! Ben, c'est magnifique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est espagnol. Faut que tu essaies de deviner c'est quoi. On va jouer à la maison à deviner de ce que c'est aussi, OK? OK. Ben là, c'est probablement une espèce de... Ou c'est un fajitas en plastique, ou c'est un poulet. Une santé. Oui, je vais l'avoir dans la face. C'est très lubrifié. Oui, oui. C'est un poulet plié. C'est un poulet. Hey! C'est magnifique. Espagnol. Que t'es gentil. Es-tu content? Oh, bravo. Merci beaucoup. Hola, Marc. Hola. Hola. Je suis content, lui. Merci beaucoup. Tu peux faire toutes sortes d'affaires avec. Oui, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux le mettre sur la table. Il est beau. Tu peux aussi le mettre debout. Mais moins longtemps. Ça marche moins longtemps. Tu peux faire comme s'il passait. Regarde. Oh! Si tu veux qu'il soit content, ouais. Tu souffles dedans. Là. Ouais. Puis il va applaudir. OK. T'es-tu content? Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Écoute, j'ai appris toutes sortes d'affaires aussi, oui, dans les autres pays. Ben oui. Et, comme, en Espagne. Comme, oui. Comme par exemple, qu'il ne faut pas embrasser le sol quand on arrive dans un autre pays, parce qu'on peut attraper des maladies de pape. Jeune homme, si vous sortez en fin de semaine, vous rencontrez une fille pour la première fois et que vous faites l'amour, tiens donc, et au moment d'atteindre l'orgasme, elle se met à dire tac, 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 tac. Ne vous inquiétez pas. Tac, ça veut dire oui en polonais et elle est sûrement polonaise. Dans le même ordre d'idées, il faut éviter à tout prix de plier une banane. Ça fait de la marde. On va aller au conseil vedette de la semaine. Vous êtes un joueur de hockey, oui, habillé, prêt à passer à l'action. Oups. Mais il vous manque quelque chose. Oui. Il vous manque votre jackstrap. Que faire? Pas de panique. Vous n'avez qu'à passer le petit élastique dans la première jambe, remonter tout le kit par en haut, vous passez le corps dans le gros élastique, comme ça, ensuite redescendre le jackstrap pour repasser le petit élastique en dessous de votre pied, et ensuite remonter le kit et bien sûr placer la coquille sur le lunch. Et voilà. Et bien sûr, là-bas comme ailleurs, comme ici, il faut éviter de se sentir les doigts en public. Merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment. Bon retour au Québec. On s'en va faire...